Je ne vais pas parler beaucoup, je vais simplement présenter l'expérimentation qu'on avait, enfin, la réflexion qu'on a menée dans le cadre du centre référent dans les années 2005-2006 avec l'enseignant référent qui travaillait au sein de notre, l'enseignant ressource qui travaillait au sein de notre centre. Dans le constat des troubles 10 qui étaient pris en charge en rééducation, qui arrivaient, pour lesquels les enfants arrivaient à être en partie compensés, ou qui restaient en grande difficulté dans l'automatisation d'un certain nombre de procédures, malgré les capacités d'apprentissage qu'on a vues, qui nous ont été présentées ce matin, par exemple, dans le TTC, et qui, par rapport aux exigences scolaires, en termes de rapidité, pouvaient être en difficulté dans le passage à l'écrit, et pour lequel se posait la question, en plus, en complément ou en relais de la prise en charge éducative, de matériel de compensation. Cette attribution de matériel de compensation était parfois, souvent pour les parents, un parcours du combattant. Coûteux, passant par des procédures qui passaient par, d'une part, des bilans diagnostiques importants, qui passaient par ensuite des dossiers, souvent des DPH. Et puis, on arrivait à l'attribution, à la dotation de l'enfant de matériel, et on se rendait compte, dans ces années-là, que beaucoup de matériel doté était inutilisé en classe. Or, l'objectif premier était quand même qu'il y ait une adéquation entre le matériel et les besoins réels de l'élève et que ça puisse être utilisé, que ça ne soit pas au niveau de, que ça ne reste pas au niveau de la plaque. Donc, à partir de 2004, 2005, 2009, jusqu'à 2009, il y a une réflexion qui était menée à la fois au sein de notre équipe et en lien avec l'éducation nationale, puisqu'on avait un enseignant qui était mandaté, missionné par l'Éducation nationale, par le DASEN auprès de nous pour nous accompagner et nous aider dans nos réflexions, mais également par l'UNASH, à l'époque, Sylvain Bété, qui travaillait avec le DASEN. Donc, on avait essayé en lien avec l'Éducation nationale, MDPH, et les différents professionnels concernés, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, essayer de réfléchir à améliorer le dispositif pour que les outils dont avaient besoin, les outils de compensation dont avaient besoin ces enfants, soient à la fois adaptés à leurs besoins, utilisés par eux, par les enseignants, et puissent apporter un bénéfice. Donc, cette réflexion, c'est ce qu'on va vous présenter. Ça avait été présenté il y a quelques années à Toulouse, à l'inspection de l'académie, par Sylvain Béguet. Sylvain Béguet est parti de la région il y a à peine un an. Aurélia, qui était en charge du projet aussi et qui nous a changé un petit peu de mission et donc vous présentera les missions actuelles. Mais il nous paraissait important et intéressant de prendre le recul sur ce qui a été mis en place à cette époque, à ce moment-là, et on va refaire à la fois un historique et puis un bilan de cette réflexion sur l'attribution du matériel informatique et les procédures. Donc, je laisse la parole à Aurélien. Merci. Bonjour à tous. Comme l'a dit Jean-Claude, j'ai travaillé avec l'inspecteur ASH, je suis enseignante hein, au premier degré, et j'ai été chargée au tout départ de faire une analyse. Donc, en 2009, il y a eu donc, un questionnement qui s'est vraiment fait avec un groupe de travail qui a été mis en place avec la direction académique et du coup avec le centre référent, mais aussi tous les acteurs réseau pour réfléchir à pourquoi on a ce matériel, pourquoi en 2010 on a du matériel. Des enfants qui sont dotés, 80% de matériel qui n'est pas, voire peu utilisé. On avait des chefs d'établissement qui ne savaient même pas que l'enfant avait un ordi ou l'ordi arrivait juste avec le logiciel posé dessus
Et rien n'était fait, donc c'était de l'argent public, et à un moment donné, il fallait aussi réfléchir à mieux utiliser tous ces outils et faire en sorte que ces enfants qui ont ces besoins-là puissent réellement en faire quelque chose. Donc, en 2010, on a commencé à établir des documents conjointement d'analyse de situation pour que les équipes, en équipe éducative, puissent réfléchir un petit peu mieux au matériel à mettre en place. Et en 2013, on m'a chargé de faire un état des lieux qualitatif et quantitatif sur la mise en place du matériel adapté dans le département et d'essayer de réfléchir pourquoi ça ne fonctionne pas, quels seraient les leviers qu'on pourrait avoir et puis avoir des chiffres assez précis aussi parce que entre les ressentis de chacun, souvent, tout ce qui ne va pas bien. Et puis, il y a aussi des choses qui fonctionnent aussi. Donc, voir qu'est-ce qui fonctionne, sur quoi on peut tirer pour aller plus loin. À la fin de cet état des lieux, en 2014, du coup, la direction académique a mis en place une note de service qui définissait vraiment une procédure d'attribution du matériel à la suite d'une notification de la MDPH. Et on a mis en place des expérimentations, c'est-à-dire qu'au lieu que la MDPH acte directement une notification de matériel, quel qu'il soit, en fonction des questionnements que se faisait l'équipe en équipe pluridisciplinaire, on a plutôt demandé à ce qu'il y ait la mise en place d'expérimentations, qu'on puisse tester des outils, quel que soit l'outil. Pour certains, on a juste finalement à la fin, c'était juste un dictaphone qui a été juste suffisant et inversement. Et voilà. Et à partir de là, au bout de au départ en 2014, c'était pas très très cadré en termes de timing de notification. Mais aujourd'hui, au bout d'un an, il y a un bilan qui est fait avec des éléments assez précis pour définir si l'expérimentation elle a du sens ou pas. Parce que comme l'ont très bien dit d'autres intervenants depuis ce matin, parfois on a des situations où il faut d'abord mettre vraiment des adaptations pédagogiques en place au sein de la classe avant des fois de partir sur de l'AESH, sur du matériel adapté. Et l'idée, c'est vraiment de travailler beaucoup plus avec les enseignants dans ce sens-là. Donc, je reviens un peu sur l'historique. Donc, 2014-2017, on a mis en place, donc j'ai été chargée en tant que conseillère pédagogique du dossier, à essayer de recréer du lien, de travailler avec les équipes enseignantes, de faire aussi des évaluations auprès des enseignants pour recueillir aussi leurs besoins, recueillir les besoins aussi des familles et former aussi les personnels au sein de nous des directions académiques, c'est-à-dire former les animateurs numériques, former les conseillers pédagogiques et puis former aussi les enseignants. Donc on a mis en place pas mal de formations en relation aussi avec le centre de référence. Il y a l'orthophoniste qui est intervenu sur des formations encore l'année dernière. Et aujourd'hui, donc dans le cadre de mes nouvelles missions, puisque maintenant je suis médiatrice des ressources numériques à l'atelier Canopée, qui est un opérateur de l'État et qui travaille en fait sur de la création de ressources, sur l'accompagnement des enseignants et dans la formation, on développe donc des outils en partenariat avec tout ce petit monde. Et aujourd'hui, au vu des derniers résultats, ce qu'on m'a demandé là, pour cette intervention, donc de faire une analyse depuis 2009 sur l'évolution du matériel, comment l'utiliser, parce que maintenant on a des outils de suivi du matériel et de suivi de l'accompagnement qui sont de meilleure qualité. Et donc aujourd'hui, on constate à peu près, on ne va pas dire pas finir, qu'il y a 63% du matériel qui est mis à disposition des élèves, qui est utilisé. Qui est utilisé par l'élève, alors soit des fois que dans le cadre de la maison, mais déjà c'est déjà un apport, parfois dans le cadre de la classe. Mais voilà, on a quand même encore 47% des enfants qui ça marche pas. Mais bon, on est quand même pas trop. Okay. 37, pardon. Ah, mais je suis là, la digestion, c'est pas facile. Alors, je vous ai fait juste un petit point, parce que donc la direction académique a dû faire évoluer dans sa façon de travailler. Et entre 2009 et aujourd'hui, on en parlait à midi, aussi mon regard aussi a évolué. Et aussi au niveau de la MDPH, il a fallu aussi modifier, puisqu'au départ, on était donc sur des notifications directes avec des préconisations très très précises de matériel. Et nous, je vais vous expliquer pourquoi après. Pour la direction académique, c'était très problématique, ces demandes de très 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 précises de matériel. En septembre 2015, il y a eu une modification de ce que proposait la MDPH, et en fait, ils faisaient un refus de matériel adapté. Et nous, du coup, on se retrouvait très embêtés parce que la question, c'était, mais est-ce que du coup, il dépend du handicap ou pas? Puisque la mise en place de matériel ne dépend que si ça élève sous VPS. Donc, pour nous, c'était compliqué parce que du coup, à chaque fois, après, c'était à la pêche aux infos, c'est de comprendre, alors, du coup, on fait comment? Donc, il y a eu une modification, encore une fois, de ça. Et aujourd'hui, donc, depuis avril 2017, alors, je ne suis pas totalement sûre du mois, peut-être mars, au mois de mars, mais j'ai
Il y a des modifications d'expérimentation pour un an, et au bout d'un an, les dossiers sont revus, et après, il y a une notification soit permanente, soit on repart sur 6 mois, un an, soit il y a une notification directe. Donc, en gros, le schéma, ça se passe comme ça. Il y a un diagnostic des équipes, qui peut très bien venir de l'équipe enseignante, du médical, des réseaux aussi, les réseaux d'aide, quand on en a encore un tout petit peu dans le département. Ensuite, il y a une équipe, une ESS qui est mise en place, ou une ESS de première demande. Il y a un dossier qui passe en MDPH. Alors, jusqu'à l'année dernière, depuis 2 ans, il avait été mis en place des équipes pluridisciplinaires spécifiques au matériel adapté, avec donc un enseignant, le conseiller pédagogique, qui a pris ma place à ma suite quand je suis partie, qui était sur ces équipes au niveau de la MDPH pour aider dans la réflexion avec thérapeute aussi de la MDPH aussi, qui fait partie aussi de cette équipe-là. Pour l'instant, ça, c'est quelque chose qui est mis en suspens parce qu'on n'avait pas, il n'y a personne qui a été renommé puisque Loïc, qui avait pris ma place, est parti lui aussi. Donc aujourd'hui, on attend un petit peu, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui est toujours dans les tuyaux au niveau de la MDPH, de réfléchir à avoir cette équipe pluridisciplinaire. Après, une fois qu'il y a une notification qui est faite, le dossier arrive vraiment à la direction académique, qui va analyser le dossier, qui va prendre normalement contact avec l'équipe enseignante, s'il y a des personnels soignants pour lesquels les documents que l'on a ne sont pas suffisants, ils vont être pris, ils vont être appelés, pas tout le temps. Autant se faire ce peu quand ils arrivent à avoir le temps. Et donc après, il y a un lien aussi avec l'enseignant référent qui est chargé du dossier. À partir de là, il y a un choix de matériel qui est mis en place. Dans le choix de matériel, on pourra le voir tout à l'heure, il y a eu des choix. Il y a eu une décision à un moment donné dans cette expérimentation qui a évolué. Et après, il y a une attribution pour un an avec un suivi, une ESS qui va contrôler un petit peu si ça fonctionne ou pas. Et après, il y aura une notification de la part de la MDPH. Et il y aura une mise à niveau du matériel si besoin. Sachant que les enseignants, ils ont les numéros, normalement, des personnes qui suivent le dossier au niveau de la direction académique, ils peuvent très bien contacter ces personnes-là. Mais force est de constater que les enseignants appellent très rarement. Donc, ça, c'est un travail qu'il va falloir être fait. Juste pour revenir par rapport au matériel, il faut savoir que les directions académiques dotent les élèves de matériel suite à une dotation, donc une enveloppe en disque. C'est une enveloppe qui a quand même bien évolué entre 2016 et 2019, mais qui reste insuffisante par rapport à toutes les demandes et les besoins. Ils ont un créneau d'achat, c'est-à-dire qu'ils peuvent acheter que de mars à novembre. Souvent, il y a un premier achat qui est fait en mars où on essaie d'anticiper un petit peu les besoins par rapport aux échos qu'on a pu avoir des enseignants référents. Et puis, en fonction des PPS qui sont sortis. Et ensuite, il y a une seconde commande en octobre. Alors, dans les Hautes-Pyrénées, on ne s'en sort pas trop mal encore en termes de dotation, même si, vu qu'il y a de plus en plus d'élèves pour lesquels il y a des PPS et qu'il y a moins en moins de personnes qui peuvent s'en occuper, du coup, le délai devient plus grand. Il y a dans certains départements de l'Occitanie, les délais sont énormes. Et en plus, on dépend d'un marché national. Alors avant, il y avait un marché en discole spécifique avec du matériel très spécifique, etc. Mais pareil, on était bloqué sur le type d'ordinateur. C'est-à-dire que quand on recevait des notifications, il faut un Acer, tel machin, etc. C'était pas possible en fait. C'était juste pas possible parce qu'on est sur un marché national. Et alors, en plus, maintenant, ils sont sur un marché national de l'administration. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de marché spécifique. C'est un marché de l'administration. Donc, c'est du Lenovo, c'est bon. Donc, pour arriver à sortir de ce marché-là, il faut aller avec une liste très très longue d'arguments, expliquer à Toulouse que on voudrait ça, ça, ça. Et ça, c'est pas forcément tout le temps facile et pas forcément tout le temps accepté. Mais on finit par y arriver. Et puis, donc, il y a ces grosses contraintes d'achat et de gestion, puisque, alors que normalement, on devrait avoir un budget sur l'année qui ne bouge pas, voilà, c'est de mars à novembre, sur telle période. Donc, c'est toujours compliqué, en fait, pour les personnels qui sont en direction académique. Je ne défends pas forcément que ça, mais c'est juste pour expliquer quand même, pour mieux comprendre que c'est un petit peu compliqué. Par rapport donc à l'évolution de la mise en place, alors j'ai des chiffres qu'à partir vraiment de 2013, on est passé d'une centaine d'élèves qui étaient sous PPS avec matériel adapté. Aujourd'hui, on est à 250 élèves dotés sur le département des Hautes-Pyrénées avec, donc voilà, et on en prévoit à peu près 310 sur l'année 2019.
là à venir. Alors, on peut voir, c'est pas très clair, mais en gros, avant, on était sur de la notification directe. Petit à petit, on est vraiment, on a de moins en moins d'élèves qui ne sont pas dotés sans expérimentation. On a encore des élèves qui sont dotés sans expérimentation pour des besoins très très spécifiques, des enfants qui ont besoin de télégraphe à grande sœur parce qu'ils ont des problèmes de vue, on ne va pas passer par l'expérimentation parce qu'on sait très bien que de toute façon, ils en ont besoin pour ce qui est auditif aussi. Hein, d'accord ? On ne fait pas d'expérimentation juste pour faire l'expérimentation pour tout le monde. C'est vraiment pour tous ces élèves où on se pose des questions, et notamment pour les élèves qui sont en collège, où on avait des problématiques, et du coup, le schéma prochain va vous expliquer, on avait des élèves qui n'utilisaient pas le matériel. Alors, soit il y avait de la stigmatisation, bon, il y avait de la non-maîtrise aussi, hein, de l'outil bien évidemment, et puis il y avait aussi du refus de l'enseignant aussi de mettre en place. Il y a énormément de facteurs en fait, qui font que le matériel adapté ne fonctionnait pas. Donc déjà avec l'expérimentation, ça a permis un petit peu d'avancer dans la réflexion auprès des enseignants, pas encore gagné, mais on y arrive. Et du coup, on s'est posé la question du matériel numérique. C'est pour ça qu'au départ, c'était marqué ordinateur, mais j'ai modifié le titre. On est vraiment sur du matériel numérique parce qu'on se pose la question de plusieurs choses. Le matériel numérique, c'est peut-être simplement une réglette scan, en fait, qui peut être suffisante pour l'élève parce que, voilà. Vous allez voir, alors, il y a deux graphiques qui sont proposés. En 2015, a été décidé que, au vu du constat que les ordinateurs n'étaient absolument pas utilisés, et au vu des connaissances qu'avaient les conseillers pédagogiques à ce moment-là sur l'utilisation, notamment des iPads, après de l'expérimentation, il y a un document qui sera mis à disposition, c'est le bilan complet de l'expérimentation du dispositif. On a mis à disposition donc l'utilisation de l'iPad. Alors ça s'est pas fait sans heurts, c'est pas utile forcément pour tous les élèves, il faut bien réfléchir. Et on voit aujourd'hui qu'il y a plus d'élèves qui sont dotés d'iPad que d'élèves qui sont dotés d'ordinateur. Il y a certains élèves qui passent de l'iPad à l'ordinateur pendant l'expérimentation, parce que l'iPad ne convenait pas, l'ordinateur. Et à l'inverse, on a aussi l'expérimentation inverse, des élèves qui étaient sur ordinateur, parce que ce que tout le monde au départ préconisait, finalement s'en sortait pas, l'iPad a été testé et ça a fonctionné. Un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est l'accompagnement. C'est arriver à ce qu'on accompagne les équipes et surtout les élèves le plus correctement possible pour qu'ils soient autonomes avec leur outil. Toujours est-il que sur les élèves de collège, c'est beaucoup plus efficace aujourd'hui. On a plus de demandes de retour, de changement de matériel sur les élèves de collège que sur les élèves de primaire vers de l'iPad parce que c'est plus rapide à ouvrir, etc. Mais c'est encore à travailler en termes d'accompagnement. Donc, juste quelques chiffres et après je m'arrête. Et une, deux, bravo. En 2016, on avait 1880 élèves sous PPS. Aujourd'hui, et 132 élèves étaient notifiés de matériel. Aujourd'hui, voilà, en septembre, on est à 530 PPS notifiés pour du matériel et voilà, on avait à peu près 530 PPS notifiés là en septembre et pour 135 élèves avec du matériel adapté. Donc ça va de, on en a de plus en plus, mais on a des moyens qui sont de moins en moins en termes humains pour accompagner. Donc, il y a quelques actions qui sont menées, qui sont en cours. Donc, au niveau de la direction académique, ils ont pérennisé le poste de coordinateur avec le centre référent pour travailler de concert. Ils ont repositionné aussi les acteurs dans leur procédure. Ils ont développé des formations pour les enseignants du premier degré, second degré et des AESH. La MDPH donc, est toujours dans les réflexions par rapport aux notifications, aux EPU-MPA et sur les attributions, si est-ce qu'on est sur le PPS, est-ce qu'on est sur le PRP. Le centre référent, donc là, le projet pilote départemental sur le suivi qui est mis en place. Et au sein de réseau Canopé, donc là où je travaille actuellement, donc, il y a une plateforme nationale, Cap École Inclusive, qui donne un certain nombre d'outils d'adaptation pour les élèves. Nous, sur Canopé Tarbes, on a mis en place un espace de ressources mutualisées avec mes collègues de l'Occitanie, on retrouve en fait pour tel type d'outil comment on peut l'utiliser et comment on peut l'installer, enfin vraiment du pratico-pratique pour les enseignants. Hier a été finalisée la malle pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette malle, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fiches pratico-pratiques où on essaie d'amener les enseignants à se dire qu'une adaptation qui est utile pour un trouble d'apprentissage peut être aussi utile pour un enfant allophone. Être aussi utile pour un enfant du voyage et en fait essayer de déstigmatiser ce non, je ne vais pas mettre en place cette adaptation parce que je ne vais pas faire ça pour un élève. Et se dire que voilà, une adaptation d'un document, elle peut être utile peut-être pour beaucoup d'élèves dans la classe. Donc, c'est ce vers quoi on tend au sein du réseau Canopé avec des formations et des cafés pédagogiques.